Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Game06, Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Et les amis, dans cette vidéo et ben écoutez, on est parti pour découvrir ensemble la petite mise à jour du jeu, tout simplement nouvelle story, euh, ben nouveau mot passe, nouveau véhicule, nouvelle vanité, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc la petite Mustang boss. Voilà le monstre. Euh, juste derrière dans la vidéo, comme vous voyez. Allez, on continue et on va découvrir tout ça ensemble, les potos. Donc là, euh, juste pour vous prévenir, je suis sur une bêta. Donc vous avez cette vidéo en avance, vous, elle n'est pas encore sortie. Oh, ok, voilà. Donc nous, voilà dans la petite euh, mise à jour. Alors, comme vous voyez, American Legend, saison 5, épisode 2 euh, du nouveau contenu. Ok, Muscle Tour Live Summit. Ouh, hâte de découvrir ça profitez de votre motor pass donc ça on va aller euh, se le faire là on a les nouveaux packs de vanité on a la nouvelle story longue disponible oh déjà qu'il y en avait euh, certaines avec des douze étapes qui étaient quand même super longues alors là je, je me doute que là ça va être encore plus long et là on a euh, un pack à moins 50% au QG le pack de bienvenue et après on a un autre pack à moins 20% bon alors, les poteaux vous savez quoi on va aller découvrir tout ça ensemble allez on est parti euh, alors profil, la euh, hobby récompense débloquée, donc ça on s'en fout. Le nouveau motorpass, on va voir euh, vite fait de quoi il est fichu. Ok, donc là on a les nouveaux véhicules du motorpass. Je le laisse parler. Pour hein. oh, est magnifique la Mustang. Oh, les gars, les monstres qu'il y a! Alors, c'est quoi, c'est un i8, hein, l'autre, on aurait dit? American Legend. Oh, celle-là, par contre, magnifique. La Mustang Boss, là. Oh, oh, oh stylé, j'adore. Bah les gars, on a du taf! Ah. Bon, bah ça promet les poteaux, vraiment ça promet. J'ai hâte de tester tout ça. De dé oh ouais. mais c'est quoi cette caisse On dirait une I8, mais mais en fait pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Bienvenue dans le Motorpass Donc alors termine des challenges pour gagner des Motorstars Stars et progresser dans le Motorpass afin de débloquer des récompenses gratuites et premium. Nouveau motorpass tous les deux mois. Allez, on continue. Et là, euh, voilà, donc on a euh, le premium sur la gauche. Donc ouais, à gauche on a la i8. Après on a euh, une Chevrolet, la voiture euh, mystère. Et sur la droite, ça me fait penser à la KTM X-Bow euh, version un peu euh, toute remaniée. Donc alors, acheter le motorpass premium. On choisit ça et euh, je pense qu'on va se faire ça. Donc alors à 80 000 cc, on a le motorpass premium. Donc Obtenez l'accès aux 50 niveaux et recevez immédiatement un BMI 8 Rockster, le Stellar Edition, avec un casque et un Underglow. Donc, après, de ce côté-là, on a le Motor Pass, le Bundle Premium. Donc, obtenez l'accès aux 50 niveaux et débloquez 12 niveaux et recevez immédiatement le BMI 8 Rockster, le Stellar Edition, avec la Chevrolet Camaro SS Bend Edition, avec un casque, un Underglow, un Klaxon, un pneu de fumée, Underglow. Un nitro, un toit, euh, des pièces de perf, deux packs de crew crédit et deux packs de bucks et une tenue. Donc là, euh, ce pack est à moins 25%, 150 000 CC. Donc les gars, vous savez quoi Bah allez, on va se le faire. Allez, on se le fait, on achète tout ça, 150 000 CC. On découvrira euh, juste après, on ira voir au QG toutes les nouveautés euh, qui nous ont ajoutées tout simplement dans le jeu. Donc là, on a notre petit i 8, le Rockster euh, Stellar Edition. Ah ouais donc il y a un kit hein, j'ai l'impression assez chelou les jantes aussi vous voyez c'est pas les jantes d'origine donc on valide ça après là on a un casque Never Ending Tour donc ça on valide on a un Underglow Space Kid mais ça tourne quand même pas mal autour des euh, extraterrestres de l'espace tout ça c'est il y a beaucoup de, de petits rappels dans The Crew je trouve à ce niveau là donc on valide après là on a un Nitro Space Kid ouais donc euh, Nitro SP après, on a fumée Odyssée spatiale avec des étoiles. Euh, ouais, donc ça marche. Là, on a un Klaxon Space Kid. On a un petit pack de CC, 5000 CC. On a un pack de pièces en touring car. On a un Underglow imported. Bon, ok, pourquoi pas. On a 50 000 bucks. On a une fumée imported aussi. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais, c'est assez chelou. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On valide. On a un pneu imported. Voilà, ça donne ça. Après, on a un pack de 2000 euh, Crew Crédit. On a 50 000 bucks. On a la Chevrolet Camaro SS, la Band Edition, les potes. Pas mal. Après, on a une veste. Ouais, ça me fait penser un peu aux veste, euh, je sais pas, Dragon Ball Z, Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ok. Après, on a un toit. Donc c'est une valise. Ah ouais, pleine de billets, les gars. Ouais, sympa. Pas mal. Pourquoi pas faire quelques petites décos spéciales voitures, genre braquage de banque ou quoi, ça peut être rigolo. Ok, donc pour ça, on est bon. Après, on va euh, débloquer les niveaux euh, supérieurs. Donc on va dépenser 200 000 cc. Les gars, comme vous voyez, je suis full, full, full cc. Là, c'est euh, mon compte bêta, hein, pour euh, bêta test. Alors là, on a 23 objets débloqués. Donc là, ils sortent des cartes de jeu, des échappements. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est assez original. Mais bon, c'est assez ouais, rigolo. Allez, ok. Donc après, on a 2000 cc. On a vite teinté billets. On dirait que la voiture est pleine à craquer de billets, les gars. Ça, c'est pareil, c'est assez rigolo. Pourquoi pas Il fallait y penser. Euh, là, on a un petit pneu assez spécial. On valide ça. On a 50 000 bucks. On a euh, un t-shirt. Là, on a un pack de MotorStar, de 15 MotorStar. On a 2000 Crew crédit. On a un néon avec des bras assez chelou. Mais pourquoi pas Pareil, une fois de plus, c'est toujours assez original. Ah ouais, c'est stylé oh Ah ouais, bah, c'est flambant, les gars Underglow Ghost Writer. Ok, bon, bah, pourquoi pas C'est sympa, ça fait penser un peu à un truc de zombie ou je sais pas quoi. On a un pack de 50 000 bucks. On a des mains qui sortent du toit, façon un peu style zombie, pareil. Ah, franchement, c'est stylé Après là, on a la proto Lucky One. Alors je ne sais pas trop ce que c'est que cette voiture. Si euh, disent proto, logiquement c'est euh, bah, un prototype, donc c'est pas la U8, mais c'est vrai que ça fait franchement penser à la U8. Bon ok, euh, voiture assez spéciale, assez stylée, j'ai envie de dire, assez futuriste même. Euh, J'aime bien. Donc ok, hâte de tester ça bien évidemment. Comme d'habitude, vous aurez euh, une vidéo et ses tests sur ce véhicule. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et à cocher la cloche des notifications, les potos pour ne rien rater. Après là, on a une teinte Ghost Writers. Euh, avec des mains sur euh, le pare-brise et euh, bah, sur toutes les fenêtres oh, Sympa aussi, j'aime bien Après on a 50 000 cc On a un petit pneu euh, enflammé Allez, on valide ça, on continue 50 000 bucks On a un pneu American Legend avec les contours rouges On a 15 star On a une fumée wow, Qui crache fort de la fumée oh, Franchement elle est stylée on dirait qu'on est genre sur euh, un tout terrain et que genre le, bah, ça projette full, full, full quoi. Non, c'est cool. Allez, après on a 2000cc, on a 50 000 bucks, on a des pièces en touring car, American Legend, le petit néon qui va bien, sympa. Et de là, on est pas mal. Après, on, a, bah, on va débloquer les niveaux supérieurs. Allez, on débloque les gars 100 000cc. Voilà. Donc de là, on... bah, voilà, c'est bien ça. Hein. C'était bel et bien un KTM X-Bow. Le GT4, le Rao Edition. Donc là, on est en quelle catégorie Je ne sais pas trop. Euh, mais pourquoi pas. Alors, 2000 CC. On a un pneu euh, assez flambant, là, j'ai envie de dire, pour le coup. Ouais, ça change de l'ordinaire. Ça change des trucs qu'on a l'habitude de voir. Après, on a un klaxon, on a euh, 50 000 bucks. On a une petite vie teintée épique. Sympathique aussi, après on a 20 000 CC euh, 20 000 CC les gars Donc euh, là c'est pas mal, ça rembourse pas mal On a 15 star On a un pneu Voilà comme ça, on a 50 000 Buck et euh, donc du coup Des pièces pour euh, la Street Race Con On continue les potes On continue à débloquer les niveaux supérieurs 10 000 CC Un objet débloqué, on continue On débloque les niveaux supérieurs Voilà encore 10 000 CC de là, on débloque une Nitro comme ça, avec des éclairs qui sortent des échappements. Pourquoi pas. On continue à débloquer, 10 000 cc les potes, c'est le Néon euh, assez euh, spé, pourquoi pas. Oh flambant Oh j'adore les gars Oh j'adore la tenue Ouais stylé, ça fait un peu rock'n'roll là. Ouais stylé, j'adore. Euh, un peu style Doc Martins, les godasses, le jean troué, la chaîne, la veste rock avec les gants et les clous, ouais stylé, oh, j'adore. Euh, j'adore. Je pense que je vais m'équiper le mec comme ça. <laughs> bon, ok, on a fait le tour de toutes les pièces et toutes les choses à récupérer de ce moteur passe. Donc on récupère trois nouveaux véhicules. Hein. Donc euh, le KTM x là, on récupère celle-là, la voiture euh, Proto Lucky One et euh, la première. Ah non, quatre véhicules on récupère. Ah, J'ai oublié la Chevrolet Camaro. Euh, bon, ça c'est pas euh, c'est pas ouf hein, parce que c'est vrai que bon, ça sort pas trop trop de l'ordinaire on va dire. Mais ça nous fait bel et bien 4 véhicules euh, de récupérer dans ce moteur passe et full pièce, euh, full pièce de vanité, etc. etc. Donc 4 nouveaux véhicules en plus dans le jeu, les poteaux. Bon ben bah, c'est cool, c'est cool, ça fait plaisir. Après là, les stories. Alors, point fort et caractéristique des stories. Donc ça, ok. Choisissez une story et suivez le voyage d'un personnage unique. Utilisez les indices laissés par les personnages pour déterminer chaque étape. Terminer chaque étape pour trouver l'héritage laissé par le personnage. Donc ça, ok, on est bon. Alors là, voilà. Donc là, il y, y a tout les gars. Il hein, y a toutes les stories. Donc il n'y a, a rien qui a été fait, hein, comme c'est un compte qui vient d'être commencé à l'instant. Donc voilà. Nous, c'est celle-là. C'est euh, cette story-là. Donc euh, Prohibited euh, Dream. Donc, alors, voyons voir. On va découvrir ça de suite. Alors, juste pour qu'on voie un peu la cinématique. Chicago Prohibited Dream. Ok. Donc on est parti pour une story de 12 étapes. Bon, on le fera plus tard bien évidemment. On voit la voiture euh, qui est cachée. Donc ça sera bel et bien une voiture à gagner dans ce story. Euh, en cas où on se la fera dans une prochaine vidéo. Ok, donc là il y a du taf les poteaux. Ok. On s'échappe de là. Maintenant, on va voir un peu euh, les nouveaux véhicules qu'on a euh, dans cette mise à jour. Donc la Pontiac GTO de 1966, franchement véhicule fort sympathique. Euh, il y aura une vidéo sur ce véhicule bien évidemment. Alors là, on a la I8 Rockster Stellar Edition qu'on vient de débloquer dans euh, le nouveau Motorpass. On a celle-là, la Chevrolet SS la Bend Edition en Street Race, hein, et celle-là, elle était en Street Race également. Après là, on a la Challenger RT Rift Edition en Street Race. Po, 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 elle est flambante, les poteaux. Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez vu euh, la déco On va la regarder vite fait. Hein. Euh, je la ferai vraiment, je la, je la customiserai, je la testerai dans une prochaine vidéo. Pièce esthétique, comme vous voyez, on est bloqué. La livrée, on pourra la faire, mais moi, euh, je ne peux rien faire étant donné que bah, euh, je suis euh, sur la bêta. Donc, il n'y a encore personne qui a fait une livrée pour ce véhicule. Mais on voit qu'elle est bel et bien unique. Hein. On a l'arceau de sécurité, on a un contour rouge dans les feux, on a une petite déco spéciale avec le filtre air qui sort du capot. Non, franchement, c'est une chouette voiture, donc hâte de découvrir ça et de tester ça. Bon, ok, ça marche. Oh, pop, 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 po, les gars On a la McLaren Senna en hypercar, les poteaux, Voyons voir cet engin. On va faire un petit tour vite fait. Bon, ben bah, les gars, euh, ça, ça fera bel et bien. Euh, l'office d'une prochaine vidéo. Oh, elle est stylée de ouf, les poteaux Voilà, on a toutes les euh, peintures officielles. Oh, elle est flambante, elle est flambante. Livrée esthétique, est-ce qu'on va pouvoir Oui, on pourra faire euh, de la customisation sur ce véhicule. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche de notification pour ne rien rater. Euh, cette voiture fera évidemment l'office d'une prochaine vidéo. Euh, C'est juste obligatoire. Pareil pour celle-là, la Proto Lucky One. Euh, on est sur un véhicule d'hypercar également, euh, et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce véhicule À mon avis, pas grand-chose, mais bon, je m'avance pas. Oui, on pourra faire des trucs, les gars. Euh, bah, les jantes, <laughs> les jantes et les étriers, voilà. Uniquement. Après tout ce qui est esthétique, on pourra faire la livrée et la peinture. Euh, ouais, il y a des euh, peintures officielles. On va continuer. On va voir s'il n'y a pas euh, d'autres véhicules qui ont été ajoutés. Je pense pas, mais bon. Ah bah oui, on a celui-là. Donc le petit Xbox le GT4 Rao Edition, donc il est en touring car les potes. Ok, on continue. Bah, ça nous fait quand même pas mal de véhicules ajoutés hein, dans cette mise à jour. Je pense qu'on a fait le tour de tous les véhicules de cette mise à jour. Maintenant, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir au niveau des courses. Est-ce qu'on a des nouvelles courses Donc déjà, on a un nouveau Life Summit, le Muscle Tour. Donc je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Et les épreuves qu'il y a dedans, bien évidemment. Ok, donc là, on est dans notre petit QG, après on va aller voir euh, dans le shop là-bas ce qu'il y a à acheter. Alors, contenu, Season Pass euh, disponible, donc ça c'est bon. Bon, nous voilà euh, dans notre Summit, comme vous voyez, les poteaux en platine, en fait, on gagne la Dodge Challenger RT Rift Edition. Donc, on gagne ce véhicule, c'est un voiture à débloquer dans notre Summit, les poteaux. Et, euh, bon, on gagne 200 000 followers, les écrous et des pièces en tourne-car, bref, ça on s'en fout. Mais, voilà, on gagne bel et bien... Ah euh, voilà, donc point fort des fonctionnalités du Summit, bon ça on connaît. Hein. Voilà, donc ça sera les épreuves de notre petit Summit où on gagnera ce véhicule fort intéressant. Franchement c'est un Summit qu'il faudra farmer de ouf, hein, si vous voulez gagner le véhicule, ça durera une semaine, il faudra être dans le classement des 11 000 premiers euh, sur PS1 hein, bien évidemment pour débloquer ce véhicule. Véhicule forcé là, euh, voilà, donc on pourra le tester dans ce Summit et on aura euh, pas mal d'épreuves euh, différentes, donc euh, touring car, basse altitude, fuite, slalom, du street race, du touring car, du rallye, cross et euh, du drag là en bas, encore du street race. Ok, ça marche. Bon, pour ce summit on a vu. Après là, on aura euh, un petit pneu chelou à gagner. Vous voyez en platine là, Madin Japan. Donc ça sera le Japan Beat. Euh, ok. Après le summit d'après, comme vous voyez, on gagnera ce pneu. Tu bon, vois, on l'a déjà gagné, il me semble. Euh, avec la Ferrari F40 LM Donc euh, voiture assez sympathique j'ai envie de dire Donc voilà là du 8 au 15 juin on gagnera ça Donc des petites pièces de euh, Des petites pièces boostées euh, Une nitro multicolore Etc etc bref Ok pour ça on est bon on a vu on s'échappe de là On va aller voir les gars euh, qu'est-ce qu'on a à acheter dans le shop euh, Franchement ça fait pas mal de nouveautés hein, Dans cette mise à jour quand même C'est assez cool j'ai envie de dire Alors on a le Welcome Pack. 38 000 CC. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc, on a la Mitsubishi Eclipse GSX de 1999 en full violet. Avec euh, du coup la fumée violette et le néon violet. Donc, on va acheter le pack. Les gars, on va tout acheter. Hein, de toute façon, euh, voilà, c'est fait pour ça. 38 000 CC. Franchement, assez stylé, j'ai envie de dire. On valide. On claque. Et ok, de là, on est bon. Après, là, ici, qu'est-ce qu'on a Le Blackmail. Euh, 148 000 CC, les poteaux à moins 30 Qu'est-ce qu'on a dedans Oh, flambant Oh, flambant Franchement, là, les vanités sont assez magnifiques, j'ai envie de dire. Donc, on a la Chevrolet Corvette, la C7ZR1, avec full vanité jaune, fumée jaune nitro. Vous voyez, ça donne ça. Franchement, c'est euh, ben, stylé, j'aime bien. Voilà, la fumée de pneus, ça donne ça. Le néon, bah voilà, là vous le voyez, et le klaxon, ok. Klaxon, bah allez, on achète le pack, 148 000 CC, les potes, franchement, c'est euh, stylé, j'aime bien. Pour ça, on est bon. Maintenant là, on a le pack expert à 75 000 CC. Et de là, voilà. Oh là là, la petite Audi RS5 coupée qu'on avait à l'époque dans une vidéo, rappelez-vous, pour les. Plus ancien du jeu, c'était vraiment, je crois, dans la toute première année qu'on avait cette voiture. Euh, elle était euh, dans un petit trailer. Euh, voilà, l'Audi RS5 en full or euh, édition. Donc, avec euh, bah, l'autocollant or, le vinyle or, les néons or, les pneus or et euh, la fumée euh, or. Bon, bref, voilà. On achète le pack 75 000 CC. Bon, elle est stylée, j'adore. Franchement, moi, j'adore. Ok, donc ça. C'est validé, on continue là. On a le Star Pack à 19 000 CC, donc on a juste un petit, euh, une petite fumée comme ça de, de nitro et un pneu avec le drapeau dessus. Bon, ok, on valide, on achète 20 000 CC, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on a Là, on a le Brand Addict à 1 300 000 bucks ou euh, 200 000 CC. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans donc on a la chevrolet c7 zr1 convertible on a la mustang shelby la gt 500 ok et euh, on a la chevrolet camaro la z28 donc allez on achète ce pack euh, 200 000 cc on va dépenser des cc on en profite bon j'ai envie de dire les bugs on s'en fout hein. là on a un autre pack le brand addict un deuxième pack donc ouf ouais donc là on a des trucs assez sympas j'ai envie de dire pareil on a la lamborghini la veneno voiture pff, qui est tellement magnifique et euh, donc celle-là, la Huracan LP610-4 et on a la Lamborghini Murcielago, la RGT euh, bah allez, on achète le pack bah allez, on dépense des, euh, des bucks, tiens, pour changer, voilà 1 200 000 bucks donc pour ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon donc ça, le Muscle Tour, c'est un petit pack de la mise à jour on a le pack à 686 000 bucks et euh, bah, quasiment 100 000 cc, voyons voir ce qu'il y a dedans donc on a la Mustang Shelby Ok la GT500 Et on a la Camaro SS en Touring Car Donc on achète euh, On achète en CC Ok Pour ça on est bon Et les gars de là on a fait bah, On a acheté tous les packs Maintenant on va voir dans les vanités Donc là on a un pneu comme ça Pneu rouge néon eh, Franchement il est super stylé Voyons voir un peu ce que ça donne Alors ça donne Alors voilà ça donne ça Bon ok sur ce véhicule c'est pas top mais peut-être sur un véhicule un peu plus adapté ça peut être sympa. Donc on achète 32 000 cc. Après là on a le underglow euh, comme ça, rouge. Voilà, donc ça ça marche. 32 000 cc pareil on achète. Ok et de là, euh, bah là on a encore des nouveaux trucs à acheter. La fumée électromagnétique, 56 000 cc les poteaux. Voyons voir ce que ça donne. Bon après tout ça moi je possède. Hein. Ça c'est pas des trucs, euh, c'est pas des, des nouveautés dommage. Il me semble que je possède ouais. Électromagnétique et encore je suis même pas sûr, mais il me semble que oui. Donc allez on achète. Yes. Là on a un petit pneu, euh, l'avant de néon. Voyons voir ce que ça donne. Voilà ça donne ça, ok on achète. Après ça je possède le nitro étoile, je possède déjà hein, dans, mon compte, euh, dans mon compte PS. Euh, là, ça je possède, ça je possède, ça je possède. La barre de toit projecteur jaune. Alors voyons voir celui-là, ça me dit rien du tout là. Ok, ça donne ça. Bon, ok, ça marche. Ça, ça peut être pas mal sur un 4x4 par exemple, ça peut être sympa. Euh, après on a un pneu là euh, rouge, on a du néon bleu. Euh, de la fumée bleue, de la fumée, euh, encore de la fumée. En, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à acheter. Hein. Franchement, il y a énormément de choses à acheter. Bon, ok. Là, nous, on a fait un tour vite fait. C'était vraiment pour vous présenter tout ce qu'il y avait là-dedans. Ça, ça donne quoi La teintée rouge. Voilà, ça donne ça. Ok. Bon, on achète tant qu'on y est. Je pense, les gars, qu'on a fait euh, le tour de quasiment toutes les nouveautés euh, de cette petite mise à jour. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il y a quand même énormément de contenu là-dedans. Allez, on sort du QG les potos. Et euh, on va prendre la petite Sena, les gars. Oui, on va aller euh, directement prendre ça pour conclure la vidéo. Bien évidemment, vous aurez euh, toutes les voitures customisation et ces tests en vidéo. Hypercar. Oh, les gars, elle est là. Elle est là. Oh, elle est flambante. Alors, on va voir est-ce que l'aileron est fonctionnel ou pas quand on accélère ou quand on freine. Oh, stylé. Stylé les gars, on a la scène sur The Crew 2. Poh, flambant, alors voyons voir la vue intérieure. Voilà, ça donne ça la tablette centrale, le côté passager. Voilà, avec la vitre, vous voyez euh, en bas de la portière, on a les enceintes, on a le baquet. Il y a un peu de carbone dessus, enfin, il y a du carbone un peu de partout même. En haut, euh, enfin, on a vu côté passager que c'est vitré, le toit est vitré. Là, voilà, ça donne ça c'est flambant. L'arrière, comme ça. On change de vue, wow. <laughs> alors voyons voir. La carte pour les ok, ça marche. Enfin, tu peux aussi te la jouer zen, hein. Ah, alors l'aileron, voyons voir. Là, je vais freiner. Attendez, ouais. Donc, il est fonctionnel. Il est bel et bien fonctionnel. Il se soulève quand on freine, mais c'est pas euh, c'est pas fulgurant Ouais, si, si, ouais, si, si, c'est ça en fait. Bon, ok, ça marche, les gars. Ça marche. Bon bah les potos, euh, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on a vu et fait le tour d'à peu près toutes les nouveautés de cette mise à jour. Bon bah encore une très très grosse mise à jour sur merci. le jeu. Merci, merci les développeurs euh, bah déjà pour la bêta test. La merci de, de pas nous lâcher. Attendez, je vais laisser parler lui. Ouais voilà. Donc merci de ne pas nous lâcher euh, dans le jeu. Merci de nous ajouter encore et toujours du nouveau contenu. Euh, franchement ça fait plaisir et euh, bon il y a des véhicules franchement fort sympathiques dans cette mise à jour donc c'est top les gars si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous comme d'habitude pour me rejoindre donc, sur les réseaux sociaux Donc vous avez Instagram, le Discord, la chaîne Twitch, les partenaires Instant Gaming et Burn Controller, vous avez bien évidemment tout dans la description. Les poteaux je vous dis bon game à tous. À très vite pour euh, la vidéo et ses tests de ce véhicule et des autres véhicules de la mise à jour. Allez, sur ce, je vous dis bon game à tous et à plus les amis. À tous. Allez, ciao.